Bonjour, bonsoir, bienvenue, salut Alex. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. On ça est fait parti. Longtemps? Bah dis donc. Ah bah non, en fait pour YouTube ça fait pas longtemps. Bah si, quand même, pour YouTube ça fait 2 semaines que t'as pas sorti l'épisode. Bah en vrai ouais, parce que en fait dès l'instant où j'ai récupéré le PC, j'ai tout posté assez vite en fait. Ok. Donc oui, ça commence à dater en fait. Donc on est à quel film? Troisième. Troisième, et il fallait qu'on fasse Singapour. Oh, du coup, c'est le début du dernier film. Non, parce qu'il y a 4 films. Bah, c'est le début du troisième film. Oui, du troisième film. Singapour. Et du coup, c'est pas le dernier film. Tu sais, c'est le film où ils vont bah du coup à Singapour. Et ils vont dans l'espèce de hammam où t'as tous les gros avec des verrues, des coquillages là, et tout sur la tête. Les... C'est la chanson. Là, ils se font... Jamais ne mourront. Yo-ho, l'âme des pirates. Jamais ne mourront. Voilà, c'est l'idée. Et là, ils jettent des fruits. Sauf qu'en vrai, ils jettent pas des fruits. Il vit sa meilleure vie, lui. Hein. Troisième film, pour moi, l'un des plus. Il y a un cochon encore. Mais en vrai, le 2 et le 3 sont des films qui sont ultra surcotés, je trouve, parce que tout le monde est là en mode ouais, le premier c'est le meilleur, blablabla. Bla, bla. Moi, c'est j'adore ce qui est amené dans le 2 et dans le 3. Oh, j'adore. Il est tout petit. Mais qui rase le sol. Ah oui, rappelle-toi, il avait récupéré le cœur de David Jones, lui. Et il l'avait mis, du coup, voilà, à ses ordres. Il est dans une bassine. C'est lui qui a fait. J'adore. C'est pas moi. Alors pour info, ce film a été pendant longtemps le film le plus cher de l'histoire. Ah, tu m'étonnes avec tous les bateaux et tout. En plus ils font, bah, des vraies batailles. Moi je pensais... Non, c'est pas des vraies batailles parce qu'en vrai c'est des reproductions à l'échelle je sais plus quelle taille. De toute façon les films historiques ça coûte super cher. Alors moi je pensais surtout à David Jones. Ah oui, David Jones déjà en effet spéciaux. En termes de voilà, d'effets spéciaux, de production 3D. Et t'as Calypso aussi dans ce film. Ouais, mais Calypso. Et t'as l'île des pirates. Calypso, en vrai, c'est juste un acteur géant, tu vois. C'est pas le plus dur à animer. Pour moi, c'est vraiment David Jones le plus monstrueux. Après, en vrai, ça se trouve, je me trompe, hein. Mais d'un point de vue de fan de la licence, franchement, pour moi, c'est ça le plus chaud. Mais film incroyable. Moi aussi, je préfère les trois. Il a tout dit. Mais ouais, mais la trilogie se complète vachement bien. Alors que les gens, ils sont tous là en mode, ouais, le premier, c'est le meilleur. En plus, on a réussi à tous se les remater. Ouais, c'est vrai. Le 4 se regarde. Le 5. Ouais, le 5. Sympa, mais. Ouais, en vrai, à peine quoi. Ah, je suis Barbossa. Oui, ouais, enfin. Tu veux Barbossa? Yo. Toi qui adore Barbossa. Oh. C'est ton passage. L'âme des Casmas s'en va vers de nouveaux horizons. Il me sème. Attends, mais c'est mais grand. Mais reviens. Mais c'est grand. Mais c'est méga grand. Attends, y'a pas par là? Y'a une autre terre. Une autre terre. Bah oui, mais. Ah, attends, il faut le batal. On y va en mode scred. Ok, je vais pas passer par là. J'ai de la tristesse. Donc, pour ceux qui rejoignent l'aventure, parce que bon, bah voilà, comme on disait, ça fait quelques jours qu'on n'a pas posté quand même. C'est marrant parce qu'il boite alors que bah il a pas de raison de boiter parce qu'il n'a pas encore de lampe de bois. Non, il boite pas, genre. Ouais, il est sobre, genre. Il est cuve. Mais des culs. Bah en vrai c'est plus ça, hein. Donc ouais, on reprend l'aventure en plein milieu d'un autre, d'un autre film je veux dire. Mais en soi ouais, c'est dans la continuité du 2 quoi. Même si c'est une nouvelle histoire. Exactement. D'ailleurs au fait, parce que la dernière fois tu me disais oui, une fois qu'on a terminé les 4 films on passe au prochain jeu Go. En fait t'es pas chaud pour le 100%? Bah bon, let's go. Parce que moi je fais toujours les 100% pour ça. Les uns sont habitués et les uns veulent de la qualité, tu vois. Les gens ils s'en foutent qu'on finisse l'histoire, ils veulent le 100%. C'est quelque chose d'incroyable sur ma chaîne. C'est... Ah, avouez que vous êtes fan quand on fait le 100%. Non, c'est pas vrai. Il veut un poisson. Il n'en aime pas ça. Non, il veut un poisson habite. D'où l'expression faciale de ce poisson. Il veut un poisson habite. Un poisson habite. Ah, il y en a un là. Ça doit être un poisson habite. Oh, un poisson habite. On n'a pas cherché bien loin. Bon. Le premier sextoy naturel de l'histoire. Ah. Tiens. Bah écoute. Et du coup, il me donne. Hein. Oh, c'est pour moi! Parce que je pète des fleurs. Je suis une femme. De toute façon, il y a que les femmes qui peuvent faire des doubles sauts. Oui. Je comprends pas. Alors, dans les premiers Lego, en fait. Parce que par la suite, ce sera une idée qui sera retirée en fonction de certains persos. Mais dans les tout premiers jeux Lego et pendant très longtemps, c'est que les femmes qui font les doubles sauts. Parce que. Ah, je vais où? Bah, tu vas quelque part. Mais je voulais pas aller là-bas. J'ai pas fait. Ah, c'est. Tu sais, en fait, c'est une map qui fonctionne comme celle où on avait été voir. Ah, c'est bon. La nana avec babouche, là. La nana avec ma bouche. Bah c'est ça en soi. Oui j'avoue. C'est Calypso. Même genre, tu sais quand il faut... Ah bah non, tu... Enfin, on va pas spoil.
Tu sais, genre pour la faire revivre, enfin pour la faire revenir, il faut déclarer ta. Pour rassembler des gens. Des gens? Mais non, c'est pas des gens qu'il faut rassembler, des objets. Oui, des objets. Oui. Les 9 pièces de 8. Les 9 pièces de 8. Bah oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Par contre, en vrai, mec, on a avancé. Il y a là les pièces qu'on a oubliées en arrière, je crois. Hein. Jamais. En vrai, il y en a plein des pièces dans ce. Oui, mais justement, parce qu'il y a beaucoup de pièces, la barre de piraterie est sûrement plus haute et donc plus dure à obtenir. Oh, méfiance, méfiance, jeune Kazma. Méfiance, on plonge déjà. Moi je m'en fous, je maintiens que si je n'ai pas la piraterie au maximum, on recommence. Non mais j'avoue que j'aurais un peu le sum. Parce que ça me la mettrait mal sur la suite de l'aventure. Mais faut Marty. Marty. La Dolorean. La Dolorean. Tu veux de l'aide? Bah tu dois sauter. Je non, peux pas double pas sauter. Envie. Non, tu me montreras pas en l'air, pas cette fois. Je te boudin. Tu me boudin. Je vais là-bas. Mais tu fais ce que tu veux. Bah oui, bah je fais ce que je veux, mais tant que je suis pas là, tu peux pas avancer. T'as le mort. Tête de mort, drapeau de mort, piraterie, tout ça, Inch'Allah, salut. C'est par là, bah. Y'a plus rien. S'il y a des bails, on n'a pas été récupéré par là. Ah si. Si j'ai été. Bah tu as été quand, comment? Bah quand t'as dit ah on peut pas traverser, faut le bateau. Et moi j'ai fait bah non, pas de bateau. Ah, Sugoi, Sugoi. Ah et là c'était. Faut un pistolet. Un pistolet. Ah oui, faut Marty. 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 La douleur. Non, enfin faut quelqu'un qui fasse du balaboum. Non, on a tout. Non, c'est quoi ma cape? J'ai pas de cape. Très bien. Comme un couvre d'art. Comme un couvre d'art. Je veux un Lego Mission Cléopâtre. En vrai, il en faut. Mais oui. Mais il y a un jeu. Quoi? Il y a un jeu vidéo, je crois. Monsieur. Mais non. Bah, il y a bien un jeu vidéo Astérix 1, donc pourquoi il n'y aurait pas un jeu vidéo Astérix Mission Cléopâtre? Ah, mais non, mais si on joue à ça, je vais mettre des répliques et tout. Hein. Je sais que le premier jeu Astérix, il est en multi. Très bien. Je suis claqué. D'ailleurs, tu sais qu'il y a deux jeux qui me font de l'œil, qui sont des beat'em up à l'ancienne, à la Street of Rage, là, je crois. Oui, c'est ça. Saute! Avec un premier sur les Tortues Ninja qui a l'air vraiment bien, et un deuxième sur Astérix et Obélix. Celui qui sort bientôt là, les Tortues Ninja. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça. Et il y en a un sur Astérix et Obélix, tu l'as vu ou pas? Non, j'en ai pas vu. Ben en vrai, il avait l'air clean. Je dis pas que c'est un jeu de ouf, mais il avait l'air méga propre. Alors par contre, j'ai un fucking ultrason. Ah ouais? Là, ça m'attaque. C'est ma faute? Non, c'est parce que quelqu'un a chanté la chanson de l'âme des pirates dans le com, il a chanté faux. Ah non, c'est. Ah attends, c'est chaud là. Ça pique. T'as quoi, un acouphène? Ouais, non, alors justement, je dis pas acouphène parce que ça s'appelle pas un acouphène, c'est pas ça un acouphène. Non, non, j'ai. C'est bon, ça passe. Ça y est, ça passe. Ah, ah bien. Marty, il faut que tu remontes le temps pour revenir en 1975. Mais pourquoi? Pour que tu baisses ta mère, Darty. Wouhou. Mais c'est Darty, c'est pas Marty. Ah oui. Et c'est pas Marty, c'est Darty. C'est Darty. C'est Darty. Darty. Le contrat de confiance. Tu sais qu'il existe vraiment le contrat de confiance? Je crois que c'était une blague, moi, mais ça existe vraiment. Bah oui, ça existe vraiment. Darty, le contrat de confiance. Mec, on a tellement pas de pièces. Dis-toi que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est genre même pas 3 secondes du film. Bien sûr. Là, c'est le moment normalement où elle est sur la pirogue, elle passe sous les ponts et tout, elle fait. Yo ho, avec l'ambiance très très asiatique justement, et là t'as le truc qui fait. Et j'adore cette scène. Genre, je me la mate quand j'étais plus jeune et que le film est sorti et que je l'ai eu en DVD. Mec, je l'ai maté plusieurs fois. Mais ça sert à rien, c'est une marre. C'est une marre le truc. C'est une marre au connard. Au canard. Souké. Bonsoir. Souké les artistes. Bonsoir, j'aime. Y'a quoi par là? Ah, y'a quoi? Ah, donc en fait. Ah oui, c'est qu'une marre. Donne-moi mes nouilles. J'avais commandé des nouilles au poulet. Tu m'as donné des douilles au bœuf! T'as quoi depuis tout à l'heure à hurler comme ça dans mes oreilles? Et pas dans tes oreilles! Et après on dit que c'est moi qui hurle. Ah bah bravo! Darty Papa! Ils l'ont fait dans le chat! Darty Papa! Et la roue de la fortune! Le million! Le million! Le million! Mais ça tourne pas! C'est parce que c'est quand ici? Ah non, c'est parce que attends, faut jouer avec ça? Ah, Sugoi! T'as pas un projectile? Tu peux pas envoyer un bail? Jeter un truc? Un bidule machin. Depuis quand on a 3 persos? On a 2 persos.
Ah oui, pardon. Oui, non, mais il y avait le perso et deux persos extérieurs sur la roulette. J'ai cru qu'il y avait trois persos. Mais s'il n'est pas avec nous et qu'il n'est pas avec vous, alors avec qui est-il? Ce serait trop bien si on peut jouer cette phase. Non, on va jouer cette phase. Tu penses? Ou alors ce serait un cinématique. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Avec les mecs crustacés. Eh, à mon avis, il va faire du doigt, il va faire. Je peux pas. Genre, tu sais, il va le mimer, genre. Alors attends. Et ça, t'avais quoi? Et tourner la roue! Le million! Non, mec! Mais si tu continues de tourner, on n'y arrivera pas! Ok, attends, j'ai mis. Ferme. Ah, faut que je tourne dans l'autre sens. Non, c'est parce que ouais, il y a la boule qui coince. Non, faut que je tourne dans l'autre sens, c'est tout. Il y a deux sens en fait. Oui, mais en fait, la boule coinçait la petite porte bleue. Vas-y. Bah, c'est bon, c'est ouvert. Non, non. Bah, je peux pas aller dans le plus loin. Si. Ah, si. T'es un glugou. Voilà. Tamernacle. Tabarnacle. Tamernacle. Le mignon. Oui. On a gagné quoi? On a ouvert une porte. Oh. Bon, on est derrière les paravents. Bueno. Ah mais ça y est, on y est. On y est déjà. Ouais, mais ça veut dire qu'on va jouer l'après-phase de l'armée. Ah, on a déjà nos armes. De l'armée britannique. Ah, on pète les tables. Y'a quoi maintenant? Le mobilier, moi. Le respect est mort ce soir. Nique le mobilier. Nique le mobilier. Oh merde, j'ai tapé un gros dans l'eau. On va se faire attaquer par Ikea. Bonsoir, bonsoir. Ah, c'est en chaud. Ah mais c'est... Attends, quoi? Oui, y'a de la vapeur, ils sont sur un truc de mort. Ouais, mais je sais pas, ça faisait mal avant. Là, je suis bien, là je bouge plus. T'es en train de mourir, là. Non, 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 je mourais avant, quand j'étais justement dans l'eau vaporisée. Waouh, ça me monte en l'air. Je comprends pas qu'est-ce que je veux. Oh. Bah déjà, il faut tous les deux qu'on... Hein. Il trouve des trucs, hein. Il saute partout, il trouve des trucs, ça me saoule. Hein? C'est tout goy. Ça me tue. Casse tout ce que tu peux casser! Casse tout ce que tu peux casser! Casse tout! Casse tout! Je pense pas qu'il se termine là. C'est Queen. Bah, bien sûr, bah, moi non plus, je pense pas, mais. Après, il y a les Anglais. Oui! Ah, voilà! Ciao, Feng! S'il vous plaît, dites-lui un truc, il m'écoute pas, il m'énerve. Il y a aussi Inspecteur Gadget version Casos. Il est posé. Dora. Il est posé dans son jacuzzi. Une fois qu'on aura trouvé ce putain de babouche, on ira boire un verre. D'après, je t'emmène en repute. On ira casser des gitans. On ira casser la gueule des gitans. Go go Gadgeto, Tatsumaki dans tes boules. Tatsumaki dans tes. Ah. Oh. Comment il s'appelle, Shao Feng? Ah, c'est pas un délire comme ça? Ouais, c'est ça. Pression. Pression. Copain! Bonjour, monsieur Vincent. Ah, c'est ça, il check. Oh, il check. Il check du coude. Il check Covid. Non, ils ont un check secret. Ils sont tous dans le bain. Avec leur carte. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. On est sur le confinement. On s'en bat les couilles. Non, 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 c'est pas ça. T'as pas eu en entier. Non, il y aura pas plus de live malheureusement parce que je bosse intégralement. Moi, je ferai plus de live. En même temps, on s'en fout en fait. Dis-lui qu'on s'en fout. Regarde, ils se barrent tous sous le. C'est trop là. Oui. Sous le bain. Oh, sous le bain, bain. Ah, mais non, on a Charvain. Je joue Charvain. Oh, faut récupérer les persos. On a plus Elisabeth. Oui, faut aller chercher les persos. Okay. Oh, il y a un pistolet. Mec, on l'a fait en l'envers, la map. Tiens. Oh, du coup, il peut faire péter des trucs en métal. Souris. Souris. Yo. Non, il a pas un tromblon, lui. Il a juste un petit pistolet. Et alors? Et alors? Enfin, un tromblon. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, il y a un sumo. C'est un yakuza. Regarde. C'est pas un sumo, c'est un sumo. Non, c'est un yakuza. Monsieur ça! Vous faites quoi avec ce bazooka? Ça? Son bazooka? Non, c'est un bazooka. Tu connais pas? Monsieur ça! Monsieur ça! Tu connais pas monsieur ça? Non. Monsieur ça! Qu'est-ce que vous faites avec ce bazooka? Ça, c'est pas un bazooka, c'est un bazooka. Ok. Mais il a pas la ref, il est nul. Non, je l'ai pas. Attends, est-ce que je suis un petit homme? Je suis pas un petit homme. Bah, après, t'es asiatique, mais bon, c'est raciste un peu quand même. Alors, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Moi, je ne connais pas cet homme. Ah merde, je pensais être toi. Faut dire qu'on est tous les deux jaunes. J'ai rien dit. Oui, je sais. Tu sais, on se dédouane tous les deux, genre, en mode, oh, on a rien dit. Oh, pas moi. Ah non, non. Ah non.
Non, là c'est raciste. De toute façon, tous les autres, ce sont des ch'tis hiboux. Te consens bien. Mais tu sais que ça marche pas avec le pistolet, en fait, tout ça pour moi. Mais j'en sais rien, moi. Attends. On va trouver une carotte. La fameuse. Moi je dis, tu penses que ça marche pas, moi je pense contre on toi. On pouvait pas aller par là. Ah bon. Si on pouvait aller par là, ouais, d'où on vient. Ah, si. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça, tire c'est... Non, ça c'est du verre. Moi ce que je veux, c'est du fer. Et donc bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ah, il y a Jinune. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si ça marche pas, faut le tromblon. Mais il y a des Marty. Arrête, on va se prendre une balle. Oh, une balle perdue, qu'est-ce que c'est dans une vie, hein? On a des pirates, yo-ho, quand ça nous leur, ils sont nos couleurs. Ils sont nos couleurs. La couleur d'homme. Non. La couleur du Brésil. On dirait Eric. Hein? On dirait Eric. Ah, Eric Rambi, dans la tour Montparnasse. Moi, d'être adopté. Il y a moi des dénèmes. Je crois que le plus raciste, enfin le passage vraiment le plus raciste, tout le monde parle de la tour Montparnasse, non, mais moi ce qui m'a... Non, mais... Le mec est vraiment chinois. Oui, mais moi ce qui m'a choqué avec Eric quand il faisait le chinois, c'était dans... Ah mais c'était la cible là-bas pour les carottes. Ce qui m'a choqué moi, c'était quand il interprétait l'un des Dalton dans le film Les Dalton. Il incarnait Joe, et à un moment ils essaient de passer une espèce de douane vers le canal. Putain, je peux pas porter. Mais mec, prends là la carotte, elle me saoule. C'est avec quelle touche? B. Oui, donc une carotte. À la douane, genre à un moment. Ah, l'attaque de la carotte. Il croit. Je ne peux plus la contrôler. Au secours. Alors, je pense que c'est parce qu'il stream depuis 5 heures, mais vous l'entendez hurler. Parce qu'on est d'accord, il a des octaves qui sont plus haut que les miens depuis tout à l'heure. Hein. Et donc, bonsoir. Bonsoir, Moussaillon. Et donc, je disais, à ce moment-là, genre, tu t'as les Dalton qui s'arrêtent à un truc de passage. Et t'as le mec qui fait, ouais, vous venez faire quoi et tout dans ce coin du monde. Et mec, ils font, moi, mais écoutez, on a perdu notre père tout ensemble, et puis on était toutes pauvres et tout. Puis il te fait un monologue et tout pendant une minute, et toi t'es là en mode, oh mon dieu, c'est claqué. Et t'as le mec, il est en mode, t'es tellement triste, putain. Bon, tout ça pour dire qu'on a un sumo. Un sumo. Maintenant, il nous faut. Mais dis ça, qu'est-ce que vous faites avec un bazooka? Ça, c'est pas un bazooka, c'est un bazooka. Ah, ok. Non, il n'a pas de force. Les autres n'ont pas de force. C'est un sumo. Soui. Oh. Soui. Wow. N'en profite pas pour regarder sous sa soutane. Pervers. Pour vous, c'est quoi le film le plus drôle que vous ayez vu? Il y a tellement. Moi, mon film préféré, c'est Tenacious D. Oui, je trouve. Non, ton film le plus drôle. Ouais, Tenacious D. D'accord. Et bah, moi, c'est. Of Destiny. Ah, c'est compliqué parce que moi, je suis très bon public, je suis bonne foire. Hein. Moi, j'hésite entre Mission Cléopâtre. Ouais, je pense, ouais. En vrai, le plus drôle, soit Mission Cléopâtre, soit Bruce Tout-Puissant. Ah, j'ai pas tant rigolé. Je l'aime beaucoup, mais j'ai pas tant rigolé que ça. Vix, ceci était bon! Ou alors. Moi, j'ai dit que le lion, il te marie pas avec le cafard! Mais oui, c'est vrai que. Alors, c'est qui le lion maintenant? Après, tu peux dire le meilleur film français ou le meilleur film anglais. Oui, bon, après. Moi, le meilleur, c'est. Oui, c'est quand même le plus drôle, en tout cas, c'est bien Mission Cléopâtre. Tout-Tout! Récupère un max de pièces de Fouzas. J'ai perdu ma lentille. Hein? Ah oui. La meuf, elle mange des lentilles. Non, c'est pas comme ça. Elle cherche par terre, elle fait « Ouais, j'ai perdu ma lentille. » Mais elle le fait pas avec un ton de pupute, genre « Pas content, pas content. » Mais juste pour ça. Mais de toute façon, il est mythique, ce film. Ce tombeau sera votre tombeau. Après, je pensais à Bande de Chacal, Bande de Chacal. Mais ça faisait deux fois Chacal. Mais ça faisait deux fois Chacal. Du Chaco, du coup. Obé, Obé, Asté, Asté. Non mais il y a trop de bonnes idées. Ce film est trop bien, j'ai envie de me le remettre. Allez. Pourquoi ce film n'est pas en 4K d'ailleurs? Il est dur à trouver. Il n'existe pas en 4K, hein. C'est... Non, je veux dire, il n'existe vraiment pas en 4K, il est qu'en bleu. Attends, je sais pas si... Tire. Parti. Tire. Et la cité de la peur. Faut mettre dans l'eau. Ouais. C'était de la peur. Sean qui connaît tout le film par cœur. Ah, mais moi. Cassez-vous, con de mime! Moi, ce qui est chelou, c'est que j'ai vraiment une mémoire éclatée au sol. Par contre, quand il s'agit de films, je te ressors le film en intégralité. Ça va couper, chérie. Arrête, c'est super drôle. La cité de la peur, c'est giga drôle. De toute façon, tous les trucs où il y a Shabba dedans. Tu veux une confession? Tous les trucs où il y a Shabba dedans. Je l'ai jamais vu. Ah ouais? Et la carioca?
Oh, quoi? On va le voir, on va le revoir. Je l'ai revu il y a pas longtemps, moi, ici. Donc. Je n'ai jamais... Oui! Nous sommes des véritables pirates! Ça m'a coupé, chérie. Et rapido! Resmo, quand on entend ce rythme endablé, ça, c'est la financière. En fait, chaque mec qui se fait assassiner, il dit, il est au téléphone à chaque fois. Il dit, ça va couper, chérie, à chaque fois. Mais rapido, tu pèses une tonne. Oh, ça va, j'ai déjà soulevé ta mère. Je te jure qu'il y a cette phrase dans les rats. Mais c'est sûr. Mais oui, sûr. Mais je te le dis. De toute façon, c'est Eric et Ramsey de base. Donc. Juste pour ça, juste pour alors, ça. Alors, je pense que il faudrait réussir à faire passer la vache. Déjà, on a un sumo. Il y a une vache glacée. Où est le sumo? C'est pas une vache, c'est un petit bateau. Le sumo, c'est perdu. Le mec, il était paumé avec sa carte. Il était, car... il était en train de manger des légumes. Le con, il faisait un régime, on l'a interrompu. Il faisait le régime du con. Régime du chasma, oui. Jette ta carotte. Là, demande au chasma de jeter une carotte. Il va réfléchir à deux fois. Non, pas vraiment. Non, j'ai pas envie. Ce... Oh quelle force. Wow, ça m'a rappelé les Animaux Fantastiques 2. Quand il y a le cirque géant qui se détruit tout autour et qu'il y a un monstre. Tu peux porter le truc de glace ou pas du coup? Le truc de... Bah non, je peux pas, il y a pas de poignée. Attends, non, prends le bon perso, prends le bon perso. Soit RP, c'est elle qui pousse ce chariot qui explose normalement. Dans le film. Je m'en rappelle. Rappelle-toi. Je suis laissé. Écoute. Ah oui. Même que tu la vois avec une scène où on vient son vieil dent là qui sort. Le pire c'est que l'actrice est super, elle est super jolie moi. Ouais mais c'est ça qui est trop. Tu peux pas prendre la glace hein. Écoute, je peux la prendre mais ce sera pas exactement pris comme tu veux. Et merci à Brice TV qui offre un abonnement. Ça fait le plaisir. Ça fait le plaisir. Attends, je vais me mettre sur ton oeil. Mais pourquoi faire? Mais ça sert à rien. Vous êtes conscient qu'il fait un truc qui sert à rien? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je vais me mettre sur ton stream, ça fera un viewer en lui. Pourquoi faire? Bah, plus t'as des viewers, plus t'es haut dans la liste. Après, tu me diras, tu vas être le seul au monde à faire du perdre des carrés. Ah, bah oui, ah bah oui. Oui, y'a que toi. Ah oui, parce que t'es sûr. Y'a que donc toi. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est éclaté ton bail. Il n'est pas un viewer prêt. T'es vraiment le seul au monde, genre vraiment. Ah ouais. Attends. C'est ça le swag. J'ai même pas mis français, genre. C'est d'arriver à la première place. C'est la classe. C'est d'arriver à la première place. Bah si tu fais un jeu que personne joue, oui. Britannia. Tu m'as buté. Je t'ai même pas touché, mec, je suis là-bas. Tu m'as... T'as pas vu, il a fait une pirouette cacahuète. Pirouette cacahuète. Bistouquette. Alex, le viewer qui va tout changer, bien sûr. Alex, il se fait des films. Des fois, c'est même pas des films, c'est des séries. Des fois, même quand je me mets près de sa tête et que j'écoute dans son oreille, j'entends la radio. Des fois, c'est énergie. Des fois, c'est moins bien, c'est ce qu'elle a. Des fois, il y a France Inter aussi dans ta tête, c'est chaud. Il y a France Inter. C'est claque. Skyrock, c'est mieux. Skyrock, Skyrock, non-stop, non-stop, non-stop. Et tout de suite, on retrouve Alex pour un son. D'été, je sais pas comment ils font sur Skyrock. Skyrock, Skyby non-stop, non-stop, non-stop. Yo, tonton Flingus. Ah, c'est toi, tonton Flingus? Ouais, c'est bon. Yo, attends. Je la refais en version sumo. Attends. Yo. Quand sonne l'heure? Jusqu'à demain. Ah. Ça, c'est un bazooka. Mais arrête, mais on s'en bat les couilles. Ah, il me fatigue. Ils ont un meumoute. C'est un meumoute, référence au plus ancien de la chaîne. Un meumoute. Un meumoute. Si tu connais le meumoute, t'es un vrai. Tu sais que j'ai un émote, meumoute. Mais il est que sur mon Discord. C'est pas un Pokémon. Non, c'est le meumoute. Un meumouton. Singapour, niveau terminé, jeu libre débloqué. Et du coup, on a le carré d'or. Oh, un Pokémon qui s'appelle meumouton. Oui, je sais, même qu'il est tout doux. Et qu'il est dans Pokémon. Attends, regarde, on a fait le troisième film et on débloque que pour... dans le troisième film on débloque Barbossa. Oui, mais en général tu débloques que les persos que t'as joué dans le scénar en vrai. Taihang. D'ailleurs, on a qu'un seul Barbossa.
Je pense qu'on a un Barbossa version jambe de bois britannique dans le 4. Il y a le 4 ? Il n'y a pas le 5, c'est ça ? Oui, vu que le 5 est sorti 30 ans après, au moins. C'est la base du bail, tu vois. Et on obtient... Ah, on a A, c'est la... Le poisson susbite ! Et il manquait, ouais, le bateau truc dans, le bazooka. Le truc dans la glace. Non, ça c'est un bazooka. D'ailleurs, je pense que le prochain jeu qu'on fera, ce sera Seigneur des Anneaux, j'ai grave envie de le faire. Ah, moi aussi. Non, mais plus que tous les autres qu'on m'a proposé, parce qu'en vrai, les autres, ils étaient clacasses. Oh, Morcilla, il était là au bon moment. Gleg, elle était là au bon moment. Oh là là, c'est les vrais. C'est les vrais, c'est pour ça que les... Monomouite. Bisous YouTube, bisous Twitch, bisous Alex. À très vite, ciao, ciao.